Maintenant, Hérode, tu es le roi de toi-même et donc le roi de Dieu. Nous, on a Dieu comme notre roi. Or, un instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de mer. Quand le peuple de Dieu a dit gloire à Dieu, Hérode a refusé. Comme toi, tout à l'heure, on dit gloire à Dieu, on le dit amen, tu te tais. Parce que tu es un mari. Quand on dit alléluia, tu fermes ta bouche. Regardez, le peuple a dit un seul mot. Hérode avait déjà fait du mal des années. Hérode a tué les enfants de Dieu des années. Et le Seigneur m'a tardé rien que petit. Juste un minuscule. Erreur. Et erreur que lui, il était au-dessus de temps en temps de faire. Il se disait un Dieu. Quand le peuple venait, que la voix soit en voix de Dieu et non des hommes, au lieu de dire amen, il se tue. Automatiquement, l'ange de l'Éternel le frappa par l'ordre de l'Éternel. Et il va mourir et les vers ont commencé à pousser, à sortir de sa chair. Bien-aimé, si c'était toi qui étais Dieu, et qu'on tapait tes enfants tous les jours, est-ce que tu pouvais te taire? Parce que madame Marie te dit que tu es lâche et mouriront. Qu'il ne sait pas quel homme il est venu épouser. Elle est venue épouser. Et que toi, tu n'étais qu'un mangeur et un idiot. Et qu'elle puisse se venger elle-même avec son eau chaude et l'opprimant. Mais la force de l'enfant de Dieu, c'est la force tranquille. Un enfant de Dieu ne combat pas avec les tout le point. Il n'a pas le ceinture noire. Il n'a pas l'arme. Mais il a la puissance de la parole. Quand il dit une chose et qu'il est fâché, la chose finit par se réaliser. Amen. C'est pour cela qu'on dit la parole, qui, la bouche qui bénit ne maudit jamais. Nous avons une parole dans nos lèvres qui doit relever le défi et fouiller. Mais cette parole ne doit pas être une parole de déduction. Mais il suffit que tu sois en colère, que tu n'as pas mangé. Et l'air qui va sortir dans ta bouche comme de ton frère, ça dépasse les prix. Oui ou non? Est-ce que la nourriture est plus grande que ton frère? Est-ce que le mariage est plus grand que ton frère? Est-ce que l'argent est plus grand que ton frère? Est-ce que les amis dépassent ton frère? Qui est amour? Qui est élevé? Qui suit Jésus? C'est celui qui aime son frère. Tu l'aimes comme il est. Tu ne l'aimes pas parce que tu veux. C'est une condamnation, une obligation devant Dieu de l'aimer comme ça. Alléluia. Ne faisons pas des haines inutiles. Nous devons aimer nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos femmes, comme ils sont. Parce que c'est un devoir et non la volonté de soi. En réalité, ce n'était pas ainsi. Personne n'allait se marier. Alléluia. Moi, je me dis des choses correctes. Il n'y a aucun plus tu sais qu'être vivant qui est exemplaire. Si ce n'est pas l'homme qui regrette, c'est la femme qui regrette. N'est-ce pas? Oui. Mais je vous dis ce qui vous arrive, absorbez. C'est votre paquet à vous. Parce que Dieu, lui, il a dit que cela soit ainsi. Alors, tu n'as pas le choix, tu fais tel et tu fais avec. C'est pour cela que vous avez intérêt, avant de vous mettre vous les jeunes là, de prier, de demander à Dieu les femmes qui viennent de Dieu. Vous les femmes là, vous avez intérêt de prier et de demander à Dieu avant de vous intéresser aux hommes, des hommes qui viennent de Dieu. Amen. Et c'est un roman consommé. On va payer la nana à son gars, sa monde de bien, vous mentez. C'est là où le péché vient. Quand vous avez décidé que toi et moi, à la gare, jusqu'à la gare, soyez jusqu'à la gare. Ou si c'est amer, ou si c'est sucré, ou soyez jusqu'à ma gare. Parce que vous choisissez, vous choisissez. Prenons l'exemple de Dieu. Nous faisons tout mal.
Nous tuons à tout moment, on accuse à tout moment, on détruit à tout moment, mais tu ne peux jamais renoncer. Pour faire plus mieux, il s'est livré à mourir en rançon en prenant le corps d'un homme pour venir me sauver toi, moi et toi. Alléluia. Et tu le vois toi, il dit qu'il te le met, il dit. Trouve aimer, aimer l'amour qui dépasse et surpasse l'amour. Il n'est pas interdit de s'énerver, mais ne serait pas en colère pendant une heure de temps. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui se met en colère de la matinée à midi, Dieu le déclasse devant lui. Parce qu'il est démon. Tout moment qu'on est en colère, on ne conspire que le mal. On pense à la destruction des âmes. Mais quand on est joyeux, on ne pense que des bonnes choses. Alléluia. C'est ça, ce que Dieu veut donner.